Coucou, aujourd'hui une petite vidéo parce que hier j'ai reçu une nouvelle box à laquelle je me suis abonnée. Enfin, une box. C'est un livre. Voilà, je cherchais des box originales qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et des cosmétiques. Et là, j'ai choisi Exploratologie. Ouais, ça fait un peu émission culturelle. Partez pas. Et j'ai pris la version roman. Alors la version roman, c'est 15,90 € par mois. Vous recevez un roman en format poche, un bonbon et un thé. Après, il y avait la version à 24,90 €. C'était un livre de recettes de cuisine. Comme je cuisine pas, ça m'a pas intéressé. Donc j'ai juste ouvert l'enveloppe hier. J'étais curieuse. Je suis arrivée hier tard. J'ai pas pu faire la vidéo. Je cache mon adresse. Ça arrive en lettres. Bien sûr, c'est un livre. Voilà, lettres. Ça c'est le timbre, hein. Alors là c'est Exploratologie. Vous voyez le petit label, derrière il y a l'adresse. Voilà, il y a mon chat qui est à côté de moi qui fait le con. Voilà. C'est pas renouvelable automatiquement tous les mois. Vous avez un résumé du roman que vous allez recevoir avant de le recevoir pour vous décider. Par exemple, en ce moment, il y a le résumé pour le roman du mois d'avril, je crois, que vous pouvez commander pendant tout le mois de mars. Donc, alors, moi, ce que j'ai remarqué hier, parce que j'ai juste ouvert, c'est qu'avec ma facture, j'avais un petit mot. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit mot. Pardon, parce que moi, je n'essaye de pas faire tout chuter. Un petit mot personnalisable. Chère Céline, je vous remercie pour votre commande. J'espère que vous ferez de belles découvertes. Bonne lecture. Et son petit nom, j'arrive pas à le lire. C'est Marjorie, mais je sais pas, j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Bon, bref, c'est juste ma. Je cache mon adresse, c'est juste mon bon. Mais j'ai apprécié, c'est qu'il y a un petit mot écrit à la main qui m'est destiné. Donc, c'est bien, c'est marqué 15,90 €. Voilà, en face, on s'en fout, hein, c'est juste personnel. Le plus beau après. Cher heureux dessinateur d'abonnement roman d'un mois, bienvenue. Avec cet abonnement, vous découvrirez un de nos romans coup de cœur. C'est soit un livre de littérature générale, soit de temps à autre un policier, de la science-fiction, un récit et promis, aucun gros best-seller sans surprise du moment. Joyeuse lecture à vous, comment ça fonctionne? Un roman plus un thé et un bonbon, envoyé tous les mois. Voilà. Et c'est pas renouvelable automatiquement, hein, donc vous pouvez arrêter, choisir. Mon chat est en train de manger l'enveloppe, voilà. Et je vais vous montrer comment ça se présente. C'est super mignon, voilà. J'ai reçu comme ça. C'est une sorte d'enveloppe craft avec un petit cordon. Il y a deux petits dictons. Alors, voilà, je vous montre le premier. Vous allez voir. Vous devez le voir. Voilà. Alors, moi je l'ai lu, c'est la marque-page. Une chambre sans livre est un corps sans âme, de Marc Aurèle. Extrait de pensée. Voilà. Marque-page, et il y a un autre truc aussi. Cueillons les douceurs, nous n'avons à nous que le temps de notre vie. Proverbe perse. Voilà. C'est culturel, hein, je vous dis aujourd'hui, c'est pas cosmétique. Et dessous. C'est marqué abonnement roman, c'est le mars 2014. Au pays des hommes, d'Hicham Matar. Ah, ça vous l'avez lu, je crois. Je vais l'ouvrir, ne vous inquiétez pas, je vous montre juste. J'avais l'extrait, donc ça me fait mal au cœur d'enlever les cordons. Mais il va bien falloir. Voilà. Et toujours, en tout cas, je trouvais ça très sympa de mettre des petits proverbes. Voilà, alors ça commence comme ça. Bon, ça vous l'avez vu tout à l'heure. Derrière, il y a tout un baratin. Alors, hello, chers abonnés. Pour ce mois-ci, je vous ai choisi le premier roman d'Hicham Matar, Au pays des hommes. Le livre a été nominé au Booker Prize et au Guardian First Book Award en 2006. Il semble être passé relativement inaperçu lors de la parution de sa traduction française un an après. Mais c'est tant mieux pour moi, puisque ça me donne l'opportunité de vous envoyer ce livre que j'ai beaucoup aimé.
Au pays des hommes est tout autant un livre d'initiation avec l'histoire d'un petit garçon qui perd progressivement son innocence face aux événements. Car roman politique qui nous entraîne dans les méandres de la Libye de Kadhafi. C'est aussi un livre qui interroge le sens de la famille et de valeurs comme le courage et l'amitié contre la machine écrasante de la dictature. Que restera-t-il ? La résistance et les mille et une défaillances de chacun. Les mesquineries entre voisinages, les petites lâchetés, l'abandon de ses convictions. Le livre est très noir, mais il est surtout remarquable comme le sont les quelques livres qui tentent de sonder la nature humaine face à l'adversité en nous racontant une histoire tout en nuances et subtilités et qui nous amène à nous demander « mais qu'aurions-nous fait à leur place ?» Tout l'enjeu de l'abonnement roman pour moi est de vous proposer des livres qui ne sont pas forcément très réputés mais qui valent la peine d'être lus. Ce qui fait que j'écarte dès le départ nombre de mes auteurs préférés qui sont parfois déjà bien connus. Pour ce mois-ci, où beaucoup de nouveaux abonnés vont rejoindre l'aventure, je m'accorde le petit plaisir de vous envoyer un petit recueil de nouvelles, l'un de mes auteurs préférés, J.L. Borges. Borges fait partie de ces rares auteurs qui, lorsque quelqu'un n'a pas encore lu ses livres, m'a fait penser à cette personne a de la chance à valer Borges, ou Borges, hein, c'est peut-être moi qui pense mal, pour la première fois. Que ce soit la première ou la 31e fois pour vous, j'espère que ce recueil vous fera plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures et au mois prochain alors. Ah si, une dernière chose. Je suis très heureuse qu'Isha Matar ait accepté de répondre à vos questions dans une interview qui sera publiée certainement mi-avril sur le blog. CF Petite Feuille Jointe. Je réceptionnerai les questions jusqu'au 31 mars. J'ai hâte de vous lire et de partager avec vous les réponses de l'auteur. Bien à vous, Marjorie. Voilà, c'est ça, elle s'appelle Marjorie. J'ai pas pu lire ton écriture. N'hésitez pas à partager votre avis sur le livre ou l'abonnement en général par mail, Majorie, je vous mettrai le lien. Voilà, à lire et écouter, voilà, c'est ce petit, je voulais quand même vous le lire, ce petit éditorial. Voilà, alors comme elle en parle, c'est le bonus interview. Voilà, l'auteur répondra aux questions, je n'ai pas tout lu, je vous montre. Répondra aux questions, envoyez-moi vos questions, voilà. Henri de sortir des sentiers battus. J'espère que vous n'entendez pas la tondeuse, que ça tombe. Découvrez de chouettes livres, magazines et objets sur Exploratologie. Box, livres et objets, abonnement mensuel de romans, cadeaux personnalisés. Voilà. Ouais, je trouve ça très sympa. Alors, bien sûr, il y a une petite enveloppe avec un petit scotch. Ah, et le petit tampon Exploratologie. Et on va découvrir ensemble le livre. Voilà. Comme promis. Oh, oula. Attends, j'essaie de pas tout perdre. Ok. Bon, j'ai tout sorti. Alors, comme promis, il y a un petit recueil de Jean-Louis Borges. Je pense que c'est ça, parce que Louis, le Sud, le Folio. Voilà. Qu'elle a rajouté de 2 euros et c'est le Sud. Une balafre rancunière lui sillonnait le visage, arc gris cendré et presque parfait qui d'un côté lui flétrissait la tempe et de l'autre la pommette. Son vrai nom n'importe guère. Atacuirarembo, on l'appelait l'anglais de la Colorada. Cordoso, le propriétaire de ces terres, ne voulait pas vendre. J'ai entendu dire que les Anglais avait eu recours à un argument imprévisible. Il lui avait confié l'histoire secrète de sa cicatrice. Plongeant au cœur de la réalité mouvante, multiple des êtres et des choses, Borges se joue de son lecteur pour mieux l'envoûter à un éblouissement. Voilà, c'est un petit recueil, c'est très sympa. Que j'ai eu en supplément. Et nous trouvons le livre de... qui est... Oui, ça fait guerre. De Micham Matar, au pays des hommes, une enfance en Libye. Ah, qui est en format pocket, hein, de points. Pourquoi vous avez brûlé les livres de Baba? Leur ai-je hurlé, Baba aime ses livres. Là, il y a le résumé derrière. Voilà. Au pays des hommes, est-ce bien Baba caché derrière des lunettes noires qu'il a aperçues? Suleyman est troublé, son père, que l'on dit en voyage d'affaires, a traversé la place en ignorant. En cet été 1979, à Tripoli, des événements lui échappent. Un proche de son ami, Karim, est emmené violemment par des inconnus. Et que veulent ces hommes qui fouillent sa maison? Pourquoi sa mère brûle-t-elle tous les livres?
Un puissant roman politique et une tendre évocation des conflits humains, l'identité, le pardon, l'amour, de The Observer. Et l'auteur, né à New York de parents libyens, Hicham Mattar, a passé une partie de son enfance à Tripoli et au Caire, au pays des hommes, et son premier roman, il a figuré dans la dernière sélection de Booker Prize. Voilà. Alors je vais le lire, hein. Ça a l'air intéressant, c'est vrai que ça sort un peu des livres qu'on a habituellement. Alors avec ça, j'ai trois petits sachets de thé ou de tisane. Je vais vous lire ça avec un petit cordon. Il y en a trois. Voilà, comme promis. Alors, ça fait mal au cœur de. J'ai Touche organique, c'est du thé vert bio équitable au Ginkgo biloba. Voilà, pour lire avec son petit livre. Voilà. J'ai Touche organique du thé blanc bio équitable aux fruits rouges. Ouais, je vais m'en faire, hein, bien sûrement. Voilà. Et le dernier, c'est quoi? C'est un thé vert bio. Je laisse le cordon. Clippers Nature, a bag of our delicious thé vert bio. C'est encore du thé vert bio. Voilà. Et les petits bonbons. Ça, c'est pour l'amusement. J'ai un petit. Créma aux fruits, voilà. Nos régions du talon, ça a l'air d'être un petit caramel. Et un petit créma. Et mon chat ne monte pas. À l'orange, voilà. Donc ça fait 3 et 3. 3 petits bonbons, 3 petits sachets. Et le bouquin, voilà. À 15,90 euros. Avec un roman choisi par Exploratologie. Tous les mois, voilà, bah, je vais ranger tout ça. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais arrêter qu'il y a mon chat qui commence à s'exciter. Et puis je pense que je reprendrai sûrement le mois prochain, à moins que je n'ai pas lu le livre. Mais je trouvais l'idée sympathique. Il n'y a pas beaucoup de likes, hein. Il y en a 5 ou 600 sur sa page Facebook, comme tous les sites, on va dire les box un peu culturels. Ça a beaucoup moins de succès que les cosmétiques. Mais bon, c'était à découvrir. Voilà. Allez, à plus. Merci.